English lessons for beginners. Hello, how are you? It's Michael speaking. Dans l'exercice précédent, 1-3-3, vous avez l'occasion d'écrire dans cet exercice les différentes réponses, à savoir les verbes que nous pouvons utiliser dans ces petites phrases succinctes. Ces verbes, nous les avions déjà vus. Il s'agissait donc du présent simple, present simple, avec l'auxiliaire être, to be. Pour continuer, nous allons cette fois-ci dicter un certain nombre de choses et on va donc vous demander d'écouter et d'écrire ce que vous entendez. Donc c'est le même exercice, mais cette fois-ci sur une page blanche. Alors voici donc la première page d'exercice et voici la page blanche que vous avez dû recevoir avec l'ensemble des documents que vous avez pu télécharger sur internet sur le site aleo.fr. Sur le site aleo.fr, il vous suffira pour les télécharger d'aller donc sur English Level 1, Files et Audio Exercises Level 1. Vous cliquez sur ce lien et là vous avez un ensemble de documents qui, en cliquant, peuvent être téléchargés comme ceci. Et vous pouvez les ouvrir et vous obtenez l'ensemble des documents, des fichiers PDF que vous pouvez obtenir et qui reprennent l'ensemble des exercices, dont la page 6 qui est la page vierge pour l'exercice sonore. Donc dans ce troisième exercice, eh bien, vous écoutez et vous transcrivez ligne par ligne ce que vous pensez avoir entendu. Vous êtes prêts? Alors on y va. Are you ready? Ok. Let's go. Alors dans un premier temps, nous allons reprendre ligne par ligne, dans l'ordre, l'exercice. I am a student. I am a student. Alors vous transcrivez. Exemple. I am a student. À côté, translation, vous traduisez en français ce que vous avez entendu, ce que vous venez d'écrire. Vous avez toutes les traductions déjà dans vos mains, mais faites-le de mémoire. You are a man. You are a man. She is a woman. She is a woman. Mettez l'enregistrement en pause lorsque cela est nécessaire et reprenez l'enregistrement quand vous êtes prêt. We are family. We are family. They are friends. They are friends. It is a dog. It is a dog. It is a bike. It is a bike. It is cold today. It is cold today. They are in the car. They are in the car. Henry and Monique are at home. Henry and Monique are at home. He is in the kitchen. It's in the kitchen. She is in a room. She is in a room. It is a nice car. It is a nice car. It is a nice photo of you. It is a nice photo of you. It is possible. It is possible. It is a table. It is a table. It is not my car. It is not my car. You and I are married. You and I are married. You and you are winners. You and you are winners. And the last hand. We are together today. We are together today. End of this exercise. Deuxième série d'exercices. Nous allons reprendre le même exercice, mais cette fois-ci, sans suivre l'ordre de ce que nous connaissons. Donc, parmi les 20 affirmations, eh bien, nous allons en prendre de manière tout à fait aléatoire. Are you ready? Okay, let's go. It is a dog. Notez sur votre document vierge ce que vous avez entendu. She is in a room. It is possible. It is a table. It is a bike. We are family. I am a student. It is not my car. We are together today. It is cold today. It is a nice photo of you. You and I are married. They are friends. She is a woman. You are a man. You and you are winners. He is in the kitchen. End of this exercise. Congratulations. Vérifiez vos réponses. Écoutez de nouveau cet exercice aussi souvent que nécessaire, juste à ce que vous puissiez à la fois comprendre, répéter ce que vous avez entendu, écrire et traduire en français ce que vous avez entendu. Vous avez entre les mains tous les éléments nécessaires pour le faire. See you on the next lesson. Thank you. English lessons for beginners.